Hey! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de Lily. Et oui, je suis de retour. À votre avis, pourquoi? Parce que nous avons un nouveau film Pixar qui est sorti, donc évidemment Cars 3, que je suis allée voir à sa sortie et que j'avais envie quand même de vous donner mon avis sur ce film, malgré le fait que je n'ai pas vu le 2. Soyons honnêtes, je pense que beaucoup l'ont pas aimé. J'ai eu énormément de mauvais retours sur ce film. Du coup, c'est vrai que j'ai pas daigné regarder le film pour pas être déçue en fait du premier que j'aime tellement. Si vous avez vu ma vidéo sur mes Pixar préférés, vous savez à quel point j'aime Cars, le premier Cars. Et du coup, j'avais pas forcément envie d'être déçue ou quoi. Et j'ai pas forcément eu l'occasion de le voir. Donc, enfin, voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être allée voir le 3 parce que le 3 m'avait l'air quand même beaucoup plus intéressant. Rien qu'à la bande-annonce, on avait vraiment un aspect sombre alors que le deuxième était quand même, d'après ce que j'ai compris, quand même bien plus destiné à un public enfantin. Donc le 3 m'avait l'air quand même intéressant et je me suis dit qu'il serait forcément mieux que le 2 de toute façon. Donc je suis allée voir le film et voici mon avis. You hear that, Samson? Beautiful. Avait vraiment l'air plus sombre. Il y avait quelque chose déjà avec la bande-annonce. Je trouvais qu'on avait là déjà avec l'accident de Flash, tout ça. Il y avait un aspect dramatique et je trouvais ça intéressant de travailler là-dessus sur un thème plus sombre ou quoi. Du coup, et ben, je suis allée voir le film sans savoir trop à quoi m'attendre et honnêtement. D'un point de vue global, ce film ne m'a pas déplu. Mais je l'ai trouvé quand même moins épique que le premier. Pour moi, le premier, il est indétrônable. Soyons honnêtes, le premier, ça reste le meilleur. Et en fait, ce film, on passe un bon moment, on est quand même dedans, on se demande ce qui va se passer, comment ça va évoluer. Et au final, j'ai quand même trouvé l'histoire intéressante, le scénario est quand même plutôt bien travaillé là. Et je vais essayer de pas spoiler, donner juste un avis global sur ce film pour que vous ayez un peu mes impressions, mes premières impressions à chaud, on va dire, du film. Mais franchement, le scénario est intéressant quand même. Sans trop donc raconter l'histoire, là, il y a quand même un vrai écho au premier. Bon, ils jouent quand même beaucoup avec, comme beaucoup de suites, ils font toujours écho au premier, avec des répliques qui sont les mêmes exprès que le premier, des clins d'œil, énormément de clins d'œil. Par contre, dans ce film, on a vraiment beaucoup de clins d'œil au premier, ça c'est. Mais bon. Mais ça prouve qu'il résistera moins bien que le premier de toute façon. Mais en fait, dans l'histoire, par rapport à Flash, ça fait vraiment écho à un personnage bien précis du premier. En fait, il joue beaucoup avec cette idée que Flash a vieilli et que maintenant c'est place aux jeunes et tout ça, et que du coup, en fait, il a besoin de faire ses preuves. Et là, c'est un peu une quête personnelle en fait pour Flash parce que il se remet beaucoup en question là. Vraiment, il y a l'aspect très émotionnel dans le film que j'ai trouvé intéressant. Alors, après, ce qu'il faut savoir, c'est que je trouve que le film a un peu de mal à démarrer. Après, c'est mon avis, mais je trouve que. Il met un peu de temps à vraiment se lancer dans le vif, dans vraiment qu'on sait, enfin, à trouver sa quête, vraiment ce qu'il doit faire et tout ça. Je trouve que ça met un petit peu de temps à démarrer. Ah d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu du coup le court-métrage Pixar juste avant, j'ai oublié le nom du court-métrage, mais qui est très original, qui change beaucoup du design habituel, de même du thème. Là, ça se passe dans une cour de récré, c'est franchement adorable.
L'histoire est touchante, donc j'ai apprécié ce petit court-métrage. J'ai oublié le nom, il va falloir que je le retrouve. Je mettrai en barre d'infos ou quoi, quelque part, le nom si ça vous intéresse. Du coup, pour en revenir à Cars 3, ce que je pourrais dire, c'est qu'il est beaucoup dans la nostalgie du premier, en fait. Il joue beaucoup sur les péripéties du premier et il fait beaucoup d'échos. Et en fait, là, ça jongle avec, comme j'ai dit auparavant, avec l'histoire d'un ancien personnage qui, là, est un peu ce qui va arriver à Flash, en fait. Du coup, bon, c'est... Mon frère trouvait ça pas très original, parce que je suis allée voir avec mon frère, et moi, je me suis dit, pourquoi pas. Après, souvent avec ce genre de film... on se demande vraiment si c'est utile de faire des suites. Comme beaucoup de films à grand succès, comme même des Caraïbes où j'avais fait mon ancienne critique, la dernière, on se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment utile de faire des suites? Parce que le 2, franchement, il n'a pas été apprécié, Cars 2, il n'était pas utile. Alors, le 3ème, il est intéressant. Il est... Moi, je l'ai trouvé quand même intéressant. Et déjà, un des trucs les plus importants et les plus génial de ce film, quand même, c'est les prouesses et le technique et le design, le graphisme du film, mais il est dingue. Franchement, il y a des moments, on dirait des scènes d'un vrai film en fait, tourné avec des images réelles, mais non, c'est que de l'animation, mais c'est tellement bien fait, c'est dingue. Par contre, visuellement, c'est ouf. Après, je trouvais qu'au niveau des musiques, elles sont beaucoup moins percutantes, attachantes ou pertinentes. Comparé au premier où les musiques, moi je les adore et elles sont vraiment géniales, elles font vraiment... Il y a un rythme et tout avec les musiques, même elles sont très années 50 et tout ça, il y a des scènes où vraiment les musiques est très importante. Et là, je trouvais que la musique n'apportait rien de spécial, ça manquait de... Tu sais pas, un certain impact ou quoi, là ça y était pas, enfin moi j'ai pas ressenti ça en tout cas. En fait, je trouve que le film est beaucoup moins épique, là c'est plus... dans l'aspect émotionnel, dans la quête personnelle, dans remise en question, la réflexion, mais c'est super intéressant quand même. Et là, il y a aussi cette idée par rapport aux nouvelles technologies, où du coup, t'as une sorte de nouvelle génération qui prend la place de l'ancienne, et du coup, il y a cette espèce d'idée de vivre avec son temps, de est-ce qu'on est has-been ou pas, et je trouve que quand même l'idée est intéressante, et c'est très à l'image de Pixar. Et d'ailleurs, un super bon point de la part de Pixar que je trouve génial, c'était cette idée toujours de vivre avec son temps et avec l'évolution de la société. Et il y a cette idée dans le film justement de la parité. Là, ils ont vraiment donné place à des personnages féminins importants et justement à des... Comment dire... là, les personnages féminins montrent qu'ils veulent aussi leur place autant que les personnages féminins, masculins du film. C'est-à-dire qu'il y a un personnage féminin qui dit qu'elle aimerait aussi être pilote de course et que ça a toujours été son rêve et tout ça. Et là, ils montrent davantage de ces personnages féminins dans ce genre de contexte. Et je trouvais ça très intéressant. Et d'ailleurs, ce personnage a un rôle très important. Et ce que je dois dire, c'est que la fin... et juste génial, j'ai adoré la fin, et s'il n'y avait pas eu une fin comme ça, j'aurais été déçue du film, honnêtement. Oui, ce que j'apprécie, c'est que la fin est vraiment surprenante. Comme un peu le premier aussi, ce retournement de situation, en fait, il y a un rebondissement, je dirais pas lequel, mais qui est génial, vraiment, et puis c'est une certaine morale aussi. Et là, j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils aient fait ça. Là, ça m'a tellement ravie, j'ai fait oh là là, super quoi, vraiment, la fin, j'ai adoré. Et c'est vrai que certains moments du film, je l'ai trouvé lent ou quoi. Mais cette fin, elle a tout sauvé en fait. Je trouve que ça a fait que le film peut être considéré comme vraiment, enfin, quand même bon. Moi, je trouve que le film est quand même bon et pas, enfin, il est pas mauvais. Grâce à cette fin, le film est bon. Enfin, bon. Moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant du coup. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des doublages, j'étais un peu perturbée parce que moi j'avais l'habitude des voix dans le premier et tout ça, et Martin là... Bon, apparemment ça a changé depuis le 2, mais du coup ça me perturbe un peu, mais bon, je suis titi, mais c'est vrai que la voix de Martin, pour moi c'était pas celle-là, c'est comme celle de Doc Hudson.
Ça me perturbait un peu, mais bon, c'est rien. Mais oui, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est cette idée de progression du coup avec la société par rapport au personnage féminin. Parce que justement, en plus, j'avais déjà fait la remarque comme quoi, dans Cars, en fait, les pilotes de course, on avait l'impression que c'était vraiment que des personnages masculins en fait. Et dans la vie, même dans. Enfin, il n'y a pas que des pilotes masculins. Et du coup, j'ai trouvé ça génial qu'ils fassent cet effort-là. Enfin. Qu'ils aient eu cette idée de justement mettre en avant aussi les pilotes féminines, et c'est vraiment cool ça. Et qui aussi, il y a un témoignage d'une ancienne pilote de l'époque de Doc, qui elle, qui avait vécu justement cette discrimination, si je puis dire, parce qu'elle dit dans le film qu'on ne l'avait pas autorisée à faire la course, parce que c'était une femme. Et du coup, elle y a-t-elle quand même, malgré tout, par effraction, si je puis dire, parce qu'elle voulait poursuivre son rêve. Et du coup, je trouve ça vraiment bien, cette idée de montrer qu'il faut évoluer avec les sociétés, les mentalités et tout ça. Donc ça, c'est une bonne chose de la part de Pixar, c'était bien. Et vraiment, en fait, il y a un côté attachant dans le film par rapport au personnage, on s'y attache. Enfin... Il y a vraiment un personnage donc féminin qui s'avère vraiment attachant et touchant. Et là, Flash, il est un peu différent, il se montre très vulnérable en fait dans le film. Donc ça reste quand même intéressant. Évidemment, je préfère largement le premier, il est génial. Et au niveau de la rythmique, je préfère vraiment le premier, il y a vraiment des transitions et tout ça qui étaient vraiment bien. Là, c'est plus lancinant, mais ça reste quand même intéressant. Donc globalement, j'ai apprécié, et la fin a vraiment fait que j'ai aimé le film, enfin que j'ai trouvé quand même le film bien, même si j'ai pas trouvé ouf, et qu'il y a certains moments que je trouvais un peu lent ou quoi, ou que la musique pour moi était pas assez présente, parce que bon, je suis assez attachée par rapport à la musique et au film, je trouve que la musique des films a vraiment un impact, là ça manquait un peu, mais sinon globalement, je vous conseille d'aller le voir, c'est quand même un film à voir, et vraiment, si vous l'avez déjà vu, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis, si vous avez aimé ou pas, ce que vous en pensez par rapport aux autres. Je m'excuse si j'ai pas vu le 2, peut-être qu'il fallait, enfin je sais pas, je le verrai forcément un jour, je pense, mais du coup, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis. Et je m'excuse aussi par ailleurs d'être beaucoup moins présente parce qu'en fait je travaille et ça me prend énormément de temps malheureusement et j'ai plus le temps de tourner de vidéos. Genre là j'ai de la chance en fait de pouvoir tourner. J'ai vraiment fait en sorte de pouvoir tourner pour au moins donner ma critique quand même. Et pour les plus curieux, si ça vous intéresse, j'ai une chaîne secondaire, une chaîne perso en fait, qui est sur mon univers en fait. Donc qui est beaucoup sur mon côté vintage, tout ça. Donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et vous abonner si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère pouvoir en tourner plus souvent parce que là je manque vraiment de temps. Mais en tout cas, lâchez un pouce bleu comme d'habitude, ça fait très plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine !